C'est la famille, les amis qui s'arrangent
ne pouvait pas. Tout de suite. Mais la femme, quand elle protestait, toute la société la suivait. Dès qu'on ne voit flatter un peu à la femme, flatter un peu avec un homme, c'est nous-mêmes femmes qui sommes les premières à durer la guerre. C'est pas mon avis, c'est des toutes choses pour lesquelles nous devons lutter. Et cela, c'est en notre sélection à nous-mêmes de savoir quels sont nos droits et comment nous allons nous défendre. Et je viens à la deuxième fois de la question qui voudrait savoir comment surmonter cette disparité. Comme je le disais tout à l'heure, il faut que les femmes se soutiennent, il faut que les femmes se soutiennent. Et sécuriser et renforcer les dispositifs qui existent déjà, encourager les femmes qui ont pu s'élever et atteindre certains niveaux. À leur tour, elles aussi devront tenir la main de leurs sœurs qui sont restées au bas de l'échelle et tout faire pour les faire monter afin qu'elles gravissent aussi les différentes échelles. Et à la maison, instaurer un dialogue entre parents pour que la jeune fille soit à l'aise et puisse discuter aisément avec ses parents de toutes les difficultés qu'elle rencontrera. L'influence et l'avancée technologique sont un peu plus positive sur les droits sexuels et reproductifs de la violence. Alors, comme le temps est vraiment compté, je vais procéder par une action et explication à quelques moments. Alors, comme avancée positive, nous avons la disponibilité de l'information. C'est-à-dire que pour faire une petite comparaison, il y a 10 ans de cela, nous n'avons pas les informations nécessaires sur ce que l'on pouvait entendre par droit sexuel et reproductif. Et la santé technologique nous ont donné du accès à cette information. Je sais surtout que l'information est disponible et accessible. C'est-à-dire que de nos jours, nous n'avons plus besoin de nous rendre, par exemple, dans les centres physiques pour avoir des informations liées à cette thématique. Je n'en pas les centres physiques, les centres amour et tout. Je ne sais pas si vous avez des connaissances dans ces centres. Je sais aussi qu'il y a de plus en plus des espaces virtuels sur lesquels les femmes, les jeunes filles peuvent se renseigner, avoir toutes les informations nécessaires sur les droits sexuels et reproductifs. Alors, quand il y a disponibilité et accessibilité à l'information, vous allez convenir avec moi qu'il est facile maintenant de prendre une décision. Alors, quand elle a pris des décisions, elle n'était pas aussi libéralisée qu'avant. Aujourd'hui, c'est même libéralisé. Je suis juriste, il faut que je fasse un deuil à la loi. Pourtant, par exemple, encadrement de l'avortement en République du Bénin, il s'agit de la loi 2022 qui est 11 octobre. Alors, en qualité de juriste, tout juste, en âge, et consacré par la loi, peut décider de se faire avorter. Donc, je parlais de prise de décision facile. Pour ce cas, de l'alta, l'information, d'accès à l'information, de la facilité d'avoir accès à l'information, permet aux jeunes femmes d'argumenter et de démystifier toutes les informations relatives aux droits sexuels et pardon. Alors, mis à part cela, nous avons les sites, les applications. Comme par exemple, l'application, nous avons l'application Flou, qui aide les jeunes filles
et même les femmes matures à décider de la planification de leur process qui le plus important, à maîtriser leur menstruel. Alors je vais écouter ce point et aborder rapidement les avancées médicales sur les droits sexuels et reproductifs. Alors, je disais tantôt que les avancées sont très positives en ce qui me concerne. Alors, vous allez convenir avec moi qu'avant, pour faire des rapports, j'ai travaillé un caractère pour les femmes. Et ce n'est pas dans un environnement sécurisé. Et l'avortement se faisait de façon clandestine et de façon sauvage en public parce que c'était des pratiques relatives à la femme à couper. Et vous savez, j'ai la femme à couper, il n'y a pas la maîtrise des usages et autres, les noms qui passaient, etc. Donc, quand on parle d'avancer, médicale, je vais parler du progrès de la médecine. Aujourd'hui, quand vous n'étiez pas vraiment de faire un avortement, ça se fait dans un environnement sécurisé. Je veux parler de la médecine chirurgicale, des méthodes de lutage, etc.